خوتي خوتاتي، السلام عليكم. الزلف الاول مي دامي سي بونجور، شكرا تكونوا كاع بخير. دون سيت فيديو جو في دوني لي ريزولتا دو جوي سو ويكاند دو شامبيون فرونسي دو فوتبول ليغ 1. جو في دوني لي ريزولتا سا فوندرودي بريس سانكليني ديفون بي ار بي باريس سان جيرمان 4 بيتا 2 ا دوميسيل. سامدي موناكو سانكليني ا دوميسيل ديفون لونس 2 بيتا 0. سانت تيتيان في ماتش نيل كونت ليكيب دو ليل بي ان بيت بارتو. Dimanche, Lyon a fait match nul contre Clermont, 3 buts à 3. Metz a fait match nul contre Rennes, 1 but partout. Strasbourg a fait match aussi contre 3, 1 but partout. Bordeaux a fait match nul contre Angers, 1 but partout. Montpellier a gagné contre l'équipe de Lyon, 3 buts à 1. Rennes a gagné contre Nantes, 1 but à 0. Et le match Nice-Marseille s'est arrêté au score 1 but à 0. Le match s'est arrêté. Je vous donne le classement. Pour le classement, on retrouvera à la première place le Paris Saint-Germain avec 9 points. Deuxième position, l'équipe d'Angers avec 7 points. Troisième position, Clermont avec 7 points. Et quatrième position, Lens avec 5 points. Cinquième position, Rennes avec 5 points. Sixième position, Nice avec 4 points. Septième position, Montpellier avec 4 points. Huitième position, Marseille avec 4 points et 2 matchs joués. À la 9e place, on retrouve l'équipe de Nantes avec 4 points. À la 10e place, on retrouve l'équipe de Lorient avec 4 points. Pour la prochaine journée, je vous donne pour les matchs de la prochaine journée. Vendredi 27 août à 21h, Nantes va jouer contre Lyon. Et vous pouvez voir le match sur Prime Video, c'est une chaîne sportive. Samedi 28 août à 17h, Nice va jouer contre l'équipe de Bordeaux. Et vous pouvez voir le match sur Prime Video. Et à 21h, Marseille va jouer contre Saint-Étienne. Vous pouvez voir le match sur Canal+. Pour dimanche 29 août à 13h, 3, elle va jouer contre Monaco. Vous pouvez voir le match sur Prime Video. Et à 15h, il y a 4 matchs. Angers, elle va jouer contre Rennes. Lens, elle va jouer contre Lorient. Clermont, elle va jouer contre Metz. Strasbourg, elle va jouer contre Brest. Ces 4 rencontres, vous pouvez voir ces 4 matchs en multiplex sur Prime Video. Et à 17h, Lille elle va jouer contre Montpellier. Vous pouvez voir le match sur Canal+. Et le soir, à 20h45, il y a le match Rennes-Paris Saint-Germain. Vous pouvez voir le match sur Prime Video. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Goukoum, salam alaikum. Au revoir.